Bonjour, je vous présente le feu clignotant équipé d'une petite télécommande de chez Avantech. Donc, c'est un fabuleux produit que je suis ravie de vous faire découvrir. Donc, pour commencer, un petit tournevis est fourni dans le kit. Le kit est arrivé dans cette jolie boîte, fonctionnel pour le rangement. Donc, pour commencer, j'ai dévissé les deux vis. D'ailleurs, le tournevis est aimanté, donc ce qui nous permet de ne pas faire tomber les vis. Pour le mettre en marche, il y a un petit bouton sur le dessous et il est équipé d'une petite télécommande. D'ailleurs, il y avait donc uniquement pour la télécommande, il y avait une pile de rechange, mais c'est déjà fourni. Donc pour le mettre en marche, vous avez plusieurs modes. Donc il y a la lampe LED, clignotant gauche, clignotant droite et le bouton arrêt. Donc là, je vais le connecter. Si on veut mettre le clignotant, il nous suffit d'appuyer sur clignotant gauche. Changement de direction qui clignote en droit. Les LED, il y a trois modes. Mode fixe. Donc là, je vais éteindre le clignotant. Mode fixe. Mode clignotant. Voilà, pour le troisième mode. Donc gauche. Droite. La télécommande répond très bien même si on est loin. Donc ensuite, il nous suffit d'insérer le clignotant sur le support. Et là, le tournevis nous est de nouveau utile puisqu'il nous sert à dévisser la goupille. Enfin, à la revisser. Et là, comme vous pouvez entendre, il y a des clics qui nous servent à régler la position souhaitée, donc haute, basse ou tout droit. Donc ça, ce sont des petits caoutchoucs qu'on place à l'intérieur pour ne pas abîmer le guidon. Donc ça, on le place à l'arrière du vélo. Ça à l'avant du vélo, ça à l'arrière du vélo en fait. Ça, c'est de la télécommande qui va guider le clignotant et indiquer le changement de direction ou les feux stop ou de détresse. Donc il y a un petit manuel en français, donc très explicatif, très pratique, très utile. Voilà pour le produit, je vais faire des photos une fois qu'il sera mis en place sur mon vélo. Voilà pour le test, merci bien, bonne journée, au revoir.